Tu as d'autres questions? Je dois partir. Oui, il y a beaucoup à faire. Rapporte les artefacts, sans tarder. Plus nous attendrons, plus l'Atlantide courra le risque d'être découverte. D'ouvrir l'œil. Érudit d'antan, tu as prolongé ta vie tant que tu l'as pu. Je te vois à l'écart du monde, à tenter de déchiffrer les paroles des autres précurseurs. Je t'en prie, écoute mon conseil. Tu analyses les équations de la réalité elle-même. Tu es allé plus loin que tout autre humain. C'est à la fois stupéfiant et terrible. Je constate sans peine que même ces bribes de compréhension cosmique t'ont bouleversé l'esprit. Je le regrette. Les précurseurs n'auraient jamais dû te laisser accéder à un savoir pour lequel tu n'étais pas prêt. Tu vis dans des ténèbres trompeuses. Comprends que cette obsession à propos du pouvoir, des lignées, n'est pas ton véritable héritage. Les précurseurs t'ont manipulé. Ils exploitent ton intelligence pour résoudre leurs propres problèmes. Tu vaux mieux que ça. Crée ton propre héritage. Laisse tes découvertes mathématiques jaillir de ton tombeau comme les rayons du soleil. Je t'en prie, érudit. Purge ton esprit et pense à ta propre situation. Tu as en ta possession un puissant artefact. Il a prolongé assez longtemps ton existence. Cela te sera difficile, mais il est temps de le transmettre. C'est au tour de quelqu'un d'autre d'équilibrer les équations. Non, non, mensonge! Ce n'est pas de l'obsession, mais de la recherche. La découverte des origines même du monde. C'est une opinion, Pythagore. Mais je pense qu'elle s'appuie sur la raison. Le silence est le plus grand des théorèmes. Formidable. Cet artefact va nous rapprocher de la fermeture. Il a bien failli me rapprocher de ma tombe. Toi qui voyages parmi les temps, félicitations pour le chemin parcouru. Je suis heureuse que nous puissions partager ce message hors du temps, ce fragment de réalité. J'enregistre ceci rien que pour toi, et tant pis si ceux qui vivent dans le passé ne peuvent le comprendre. Nos réalités simulées se croiseront tôt ou tard. Mais peut-être crois-tu que tu es ici en cet instant à écouter cet enregistrement ? N'est-ce pas une reconstitution de l'animus? Cela ne fait-il pas partie d'une simulation plus vaste? Jusqu'où s'étendent les rides du bassin? Discutons de rebelle à rebelle. Les règles des précurseurs nous contraignent depuis trop longtemps. Il est temps d'ouvrir de nouvelles voies, d'autres possibilités. Ce n'est pas une ère de contrôle, mais de création. J'ai réuni des précurseurs qui partagent mes vues afin de forger un nouveau départ. Nous cesserons de nous ingérer et commencerons à permettre. De ton point de vue, les préparatifs réclameront un temps considérable. Mais quand nous serons prêts, tu pourras nous rejoindre. Après tout, il suffira d'appuyer sur un bouton et de lancer une autre simulation. C'est de la folie, de la fiction. Là où je pensais trouver de la sagesse, il n'y a que les divagations du folle. Calme-toi, Pythagore. Peut-être cette invitation est-elle destinée à quelqu'un d'autre. Inutile de te mettre dans cet état pour quelques mots.
Le savoir entreposé ici est écrasant. Il me faudra des années pour déchiffrer tout ça. Pour ce qui est de sceller l'Atlantide, tu as trouvé un moyen ? Oh, oui. Oui, je crois. Eh bien, quel est-il ? Le bâton. La clé, c'est le bâton. Très bien. Il est temps. Non. Pas encore. Écoute-toi, tu as perdu l'esprit. Accepte le fait que tous les savoirs ne doivent pas être connus. Le savoir, c'est le pouvoir. Le seul pouvoir digne d'être possédé. Mais à quel prix ? Je n'ai pas d'ordre ni de leçon à recevoir de toi. C'est toi qui voulais sceller cet endroit. Et j'ai accepté de t'aider. C'était avant de savoir ce que nous allions apprendre sur la première civilisation. La création de l'humanité tout entière. Nous allons sceller cet endroit pour éviter que le culte ne s'en serve pour asservir l'humanité. C'est plus important que ta quête de savoir. Lorsque nous posséderons ce pouvoir, le culte ne sera plus qu'un insecte. Donne-moi le bâton. Tu le dois. Pour le bien de tous. Le savoir qui se trouve ici pourrait faciliter l'existence des générations à venir. Comment veux-tu que je m'en détourne ? À quoi sert le savoir s'il n'y a personne pour l'utiliser ? Pars si tu y tiens. Moi, je reste. Je ne partirai pas sans le bâton. Je suis peut-être vieux, mais moins faible que j'en ai l'air. Je serai ce que j'ai envie d'être. Un banal mercenaire. Et qui est prêt à partir. Assez !